Avez-vous entendu parler de Clubhouse, ce réseau social basé sur l'audio qui excite la Silicon Valley en ce moment ? Pour ceux qui découvriraient ce nom, il s'agit d'une plateforme de conversation ultra confidentielle sur laquelle les différents utilisateurs discutent et se rejoignent dans des salons. On se connecte et on erre dans les différents groupes de discussion jusqu'à ce qu'on puisse trouver la discussion qui nous intéresse. On peut rejoindre n'importe quel groupe à partir du moment où on a déjà une connexion au sein de ce groupe. Alors, pourquoi je vous parle de Clubhouse ? Non pas parce que Clubhouse vient de lever 10 millions de dollars, qu'elle est valorisée à 100 millions de dollars, alors qu'à ce jour, il n'y a pas de date de sortie de prévue, même pas d'application, mais simplement une version en bêta-test. Il n'y a pas de site web non plus. Il n'y a rien. Non. Est-ce que je vous en parle parce qu'il s'agirait encore d'une preuve selon laquelle l'audio devient réellement un médium à part entière aujourd'hui extrêmement puissant et de plus en plus utilisé ? Non plus, mais je pourrais vous en parler pour cette raison aussi. Non, je vous en parle parce que Clubhouse offre une forme alternative de socialisation dans le virtuel. On a tous récemment beaucoup plus utilisé les outils et les réseaux en ligne pour les raisons que vous connaissez. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a un constat qui est évident, c'est qu'il y a un manque de spontanéité. Par exemple, si vous êtes au bureau, le fait d'entendre un de vos collègues discuter ou de parler à voix haute, vous obtenez une information, vous pouvez même la compléter, vous pouvez rebondir. C'est quelque chose qui est assez difficile aujourd'hui avec les outils en ligne. Certains l'ont très très bien compris et ont déjà replacé la spontanéité au cœur de leur fonctionnement. On peut citer House Party par exemple ou encore Discord. Alors faire de la place à la spontanéité, un petit peu déstructurée et à l'aléatoire dans nos différents outils nous permettrait-il de gagner en efficacité et en performance ? Est-ce que nous sommes à l'aube d'un changement dans nos manières de travailler et de nous socialiser ? Et vous, comment vous imagineriez utiliser la conversation et la communication spontanée au cœur de votre business ou de vos process de métier ? La conversation est entièrement ouverte.